Comment ça vient? Maintenant, regardez. Voici le Père Sceau. On va. Vous êtes calme, n'est-ce pas? Je vais laisser les écritures. On va voir un exemple de ces choses-ci. Tu es un croyant. Pas vrai? C'est toi. Quelque chose arrive. Vous faites quoi? Nous prions. Parce que tu crois que Jésus-Christ, son nom est puissant. Celui qui n'a pas d'espérance, qu'est-ce qu'il fera quand il y a un problème? Il cherche la solution. Il cherche la solution. Soit la panique, ou quoi que ce soit. Viens nous dire non, ce qui s'est passé. Viens. Le Père s'est trouvé pour introduire. Écoutez très attentivement, c'est parce que c'est l'une des. Ceci a encore à voir avec ce qu'on a de voir là maintenant. Souvenez-vous, qui a dit qu'il croyait au Seigneur Jésus? Ok. Puis, c'est que cet homme, ce qui est au milieu de nous, notre frère va dire, vous fortifiez dans la foi. D'accord? En tout cas, les acteurs sont là. Où est toute la famille soit là, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Samuel soit là. Voilà, Samuel soit là. Amen. Donc, le film, ce que vous allez entendre n'est pas un film. D'accord? À l'issue de ce qu'il va dire, je vais avancer pour dire quelque chose. Oh, il y a le frère. La crise principale, la sœur Annie est là. La sœur Annie est là, donc tout le monde est là. Moïse aussi est là. Moïse n'est pas là. Il y a qui? Ézéchiel. Il y a notre qui a voyagé. Donc, voici un film familial organisé par Dieu. Écoutez très attentivement. Frère. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Amen. C'était dimanche. Vous entendez là-bas. Le frère l'avait bien suivi. C'était dimanche. Dimanche, il y a la réunion des femmes. Je le situe pour marquer le temps, pour que nous puissions comprendre. Il y a la réunion des femmes et puis ça finit. C'était fini vers les 19h. La sœur Annie était déjà revenue. Pardonnez-lui, sa voix, il a trop prié fort. La sœur Annie était déjà revenue de l'assemblée de la réunion des femmes. Mmh. Samuel avait passé la journée à travailler. Gardez bien l'esprit, voici Samuel, n'est-ce pas? Samuel, non, levez-vous. Parce que je vais lui poser des questions par rapport à quelque chose qui se passe. Oui. Samuel avait passé la journée à travailler. Il avait été très assidu, contrairement à ses deux jours. Et puis, à un certain moment, Léon était sur. Vous connaissez Léon, n'est-ce pas? Le grand frère de celui-ci. Il était sur la table. En train de dessiner, enfin il travaillait sur la table. Maman Sceau, moi j'étais assis derrière. J'ai mis un bout de temps avec la soeur Annie, elle me racontait, on discutait, et après elle m'a laissé, elle est allée au salon. Léo était au salon en train de travailler. Maman Sceau est quittée, elle est allée se coucher dans son lit, et elle a appelé Samuel. Elle a dit à Samuel, apporte-moi ma Bible. Samuel a pris sa Bible et est allé lui remettre dans son lit. Elle devait certainement. Enfin, elle s'est mise à lire. Il est venu et il s'est approché de Léo. La sœur Annie était aussi à côté de Léo. Léo était en train de dessiner. Ils se sont concentrés sur Léo qui travaillait. Et à un certain moment, il s'est braqué. Il a perdu connaissance. Il s'est braqué et il a été comme figé. Il ne respirait plus. Il cherchait de l'air. En fait. Viens, garçon, viens, tu t'assois comme ça, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Parce que ton père, pas comme si c'est lui qui vivait ça. Il cherchait de l'air. Il essayait de chercher à respirer. Et entre-temps, il a perdu connaissance. Le réflexe. Ça, c'est en pleine journée. Pleine journée. Non, nous sommes dans les coups de 19h. 19h, 22h, il y a dans l'obscurité. Oui. Ok. Le dernier réflexe qu'il a, c'est de chercher. Il savait que derrière lui, la dernière conscience qu'il a, c'est que derrière lui, il avait un fauteuil. Oui. Il cherche donc à se rapprocher pour s'asseoir. Mmh. Et puis, la sœur Annie a appelé Maman Sceau, qui était dans sa Bible, elle n'a pas compris. Elle m'a appelé. Mmh. À la hâte. Mmh. Avec cette. Oui, avec oui. Précipitation. Mmh. Venez, venez. Je cours, j'arrive, je trouve Samuel. Il n'est plus là. Mmh. Je cherche le pouls. Mmh. Il n'y a plus rien. Mmh. Je mets la main sur la poitrine. J'entends un petit battement. Mmh. J'appelle Samuel. Samuel là, ses yeux étaient ouverts. Ses yeux sont ouverts. Et braqués. Braqués. Mmh. Il cherche à respirer. Mmh. Au départ, il cherche à respirer. Mmh. Il respire en saccade. Et après un certain moment, il n'y a plus rien.
je cherche le pour rien. Je mets la main sur la poitrine, je perçois un petit truc. Il y avait la musique qui était en train de jouer là. La musique, je crois que c'était Sublime, quelque chose comme ça qui jouait. Je demande qu'on arrête la musique et puis je demande tout le monde d'aller en prier. On s'est mis dans la prière. Tu n'as pas porté pour aller à l'hôpital? Tu n'as pas eu ce réflexe-là. La pensée ne m'est pas venue. Bon, allons-y, c'est là ça devient intéressant. Donc, oui. L'enfant est en train de mourir. Oui. Tu vois, normalement, si c'était à l'hôpital en urgence, on devait mettre les électrochocs pour pouvoir choquer, pour pouvoir le faire réanimer. Ceci a une conséquence parce que par rapport à ce qui s'est réellement passé, par rapport à tout ce qu'on a de voir maintenant, Satan n'est pas un ami. Donc, dans tes pensées, écoutez bien, dans tes pensées, vous n'avez pas eu de réflexe que transportons-le rapidement à l'hôpital. Subitement, c'est venu, on prie. Oui. Allons-y. Alors, nous nous sommes mis à prier. C'est tout le monde. Tout le monde s'est mis dans la prière. Akad, Léon, Ange, tout le monde s'était dans la prière. Puis nous, on a prié. Puis, en le regardant, en l'observant. Et puis, c'était... Enfin, moi, t'es parti. Maman et moi, nous étions en train de l'observer. Mais tous les autres étaient concentrés. Chacun dans son de son côté était en train de prier. Et nous étions sur lui. À un moment donné, nous avons constaté qu'il commençait à revenir. Non. À un moment, il a fait ça. Il vous dit au revoir. Donc, par exemple, laissez la prière là comme ça. Il m'en va. Bon, quand il a fait ça, ce que j'ai constaté, c'est que maman soit pris sa main qui faisait ça. Que tu pars où? Donc, pendant qu'on a de prier, le Seigneur ne laisse pas partir. Le gars dit que bye bye. Maman soit dit que bye bye où? Baisse ta main là. Oui. Et puis, à un certain moment, sa main aussi s'est aussi levée. Oui. Parce que c'est avec cette main qu'il a fait le travail. La main gauche. Oui. Et après, à un certain moment, sa main aussi s'est levée. Oui. Et cette fois-là, ça s'est braqué comme ceci. En arrière. Oui. Et c'est calé. C'est calé. Mais jusque-là, dans tous ces moments-là, ses yeux sont ouverts et fixes. Ses yeux sont ouverts et fixes. Oui. Et puis, nous sommes en train de prier. Prions. Et puis, à un moment... Vous priez quand même en pleurant quand même, non? Oui. Beaucoup de larmes. Oui. C'était, je ne sais pas trop si on priait ou si on pleurait, mais de toutes les façons, il y avait du prier. Vous pleurez en priant. Oui. Et parce que c'est vrai, il était parti. Oui. Il était parti. Puis, excusez-moi. Bon. Après, Vous avez prié pour comme ça pendant combien de temps à peu près? 45 minutes d'intense prière. Une heure. Moi, je comptais ça. De l'autre côté, vous priez, vous êtes en train de prier, enchaînant dans la prière, et vous remarquez que de façon spontanée, vous priez sans arrêt, il n'y a pas une fatigue qui vous prend. Mais vous continuez à prier, l'enfant est là, il est carrément mort. Il ne bouge plus. Mais vous continuez à prier, pas vrai? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Nous avons cru. Nous avons cru que ça ne pouvait pas se passer comme ça de toute façon. Et nous avons prié. Et puis à un moment donné, nous avons constaté qu'il revenait. Et nous avons continué à prier. Et tu venais de relever quelque chose de très important, c'est qu'à aucun moment nous avons ressenti la fatigue. Oui. Nous n'avons pas eu l'impression que nous étions en train de faiblir. De faiblir. Et nous avons prié, insisté dans la prière, prié. Puis il est revenu. Là, il est complètement revenu. Je vais sauter quelques étapes. Il est complètement revenu. Oui. Et puis, quand il est revenu, il s'est rendu compte que tout le monde était en train de pleurer. C'est lui qui disait aux gens que maintenant, voici, je suis déjà revenu. Que je suis revenu, arrêtez de pleurer. Et puis, il a demandé qui devait aller aux toilettes. Et puis, c'est tout le monde. Et qui devait aller faire pipi aux toilettes. Oui. Et puis, on l'a accompagné. Vous l'accompagnez en délégation, en priant. Que par ici, ne tombons pas les meufs au nom de Jésus. Vous voyez, nous rions de façon unanime, mais ça aurait été un deuil. Mais ceci, c'est un enseignement que le Seigneur veut que nous comprenions de sa grâce dans nos vies, d'accord? Et surtout de son nom qui est puissant. À un certain moment, il y a un détail que j'oublie. À un certain moment, maman Soua dit Jésus, prononce le nom du Seigneur. Quand il a commencé à revenir, oui. Maman Soua lui a dit Jésus, prononce le nom du Seigneur Jésus. Au départ, il ne parvenait pas. Oui. Alors, graduellement, ça venait, il essayait. Il avait du mal à s'exprimer. Oui, il avait du mal et après un certain moment, c'est venu. Quand il a dit Jésus. Il a commencé à venir. Jésus, oui. Jésus,
Jésus, ça c'est lui. Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne entièrement. Oui. Et puis après, donc, il a voulu faire la Bible, nous l'avons amené derrière. En délégation, oui, toujours en priant. En priant toujours, oui. Et puis après, nous l'avons ramené, nous avons insisté, continué dans la prière. Et puis après, on a chanté. Oui. À s'embrasser et à essuyer les larmes. C'est pas la première fois. Oui, déjà, c'était pas la première fois parce que je crois qu'il y a environ 2 mois, ou bien un peu moins de 2 mois. Oui. Cette fois, Moïse, c'était l'intermédiaire. Oui. Moïse. Oui. Moïse était donc, en train de ici, jouer. C'est Samuel. Oui. Mais Samuel, là, c'est Moïse. Oui. Voilà. Voici Moïse. Donc, les vrais acteurs en train de jouer à la maison. Oui. Il a traversé parce que devant notre maison passe une ruelle. Oui. Alors. Moïse était en train de jouer. Ma belle-mère était assise à la véranda. Moïse était en train de jouer dans la cour. Il a traversé, il est allé le mur de la maison en face. Oui. Il est allé là-bas, je ne sais pas s'il jouait. Alors il a commencé à boire des picotes. Mais il a dit que mes pieds chauffent. Mes pieds piquent. Oui. Mais voilà, mes pieds piquent. Et puis. Ma belle-mère, after d'avoir dit que ça, là, ça, c'est le jeu. Elle a pris ça comme de la rigolade. Oui, comme un jeu. Et puis, je crois que c'est maman, ou bien toujours ma belle-mère qui a dit à Samuel. Et très surprenamment, Samuel était là. Elle a dit à Samuel, va le chercher. Samuel est allé le chercher. Dès que Samuel a posé la main sur lui, comme ça, oui. Tout le transfert, là, s'est passé sur Samuel. Lui, il a arrêté. Oui, subitement. Oui. Les picotements, tu le ressentais. Il a arrêté sur lui. Oui. Et ça a pris. Oui. Et ça a pris Samuel. Oui. Et ça, ce n'était plus les pieds, c'était tout le corps. Oui. Ça a envahi le corps de Samuel. Attends, Samuel, il était méconnu. Ça, il criait. Là, et tout le monde voyait ce qui se passait. Tout le monde. Attends, nous étions tous là. Et puis, nous avons. Et puis, je m'approche de Samuel, je veux comprendre. Je ne comprends rien. Et puis quand je ne comprends rien, la seule chose qui me reste à faire, c'est de prier. J'ai pris sa main et nous sommes entrés. Nous sommes allés derrière, avec toute la famille, c'était la prière. C'était la prière. Nous avons prié. Cette fois, c'était un peu plus d'une heure de temps. Enfin, un peu moins d'une heure de temps aussi, quelque chose comme ça. Et après... Là pour ce premier cas, il était conscient. Mais il criait plutôt ces choses qui étaient là. Son corps brûlait, ça fourmillait, ça picotait. Subitement, alors qu'il y a cela quelques minutes, il était en l'aise, il était en forme. Oui. Et puis ça a commencé sur Moïse. Le simple fait qu'il a touché Moïse, ça a lâché Moïse, ça l'a pris. Ça s'est transféré. Et puis ça l'a torturé, tout ce que ça l'a torturé. Et après, c'est fini. Il m'a dit, papa, c'est fini. C'est parti comme c'était venu. Et puis, nous avons rendu grâce à Dieu. Oui, voilà, c'est bien fini. Voilà. Avant qu'il ne passe à le de ton espérance de ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu peux donc dire au milieu de ceux qui t'écoutent maintenant? Qu'est-ce que tu peux dire? Déjà, il faudrait que nous puissions savoir que les épreuves, que si nous sommes chrétiens, nous allons croiser le diable sur notre chemin. Ça, c'est la première des choses. Et croiser le diable sur notre chemin, cela veut dire les épreuves viendront. Et chaque fois que les épreuves viendront, notre vie chrétienne, notre réflexe de chrétien, c'est de savoir que la solution à chacune de nos épreuves se trouve dans le Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, lorsqu'arrive l'épreuve, le réflexe, nous avons beaucoup d'influence autour de nous. Le monde, nous savons d'où nous venons pour être chrétiens. Et nous sommes même chrétiens, mais nous avons encore toutes ces influences autour de nous. Gardons la parole de Dieu dans notre cœur, au point que lorsque l'épreuve arrive, que nous ayons plus le Seigneur dans notre cœur que toute autre solution possible. Parce que l'autre réflexe, c'était par exemple quand on le prenne pour l'amener à l'hôpital, je suis certain qu'on n'aurait pas traversé le pont d'à côté. Et le Seigneur, le nom du Seigneur est puissant. Amen. Le nom du Seigneur Jésus restaure. Il guérit. Amen. Amen. Et nous pouvons le dire aujourd'hui face à ce... Il restaure. Face à ce témoignage, c'était encore une fois de plus que si nous avons des difficultés, tournons-nous vers le Seigneur. Il est la solution. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Viens mon garçon. C'est toi qui étais mort, non?
Tu disais bye bye à papa et à maman. Tu voulais partir où déjà? J'étais quand ça s'est passé, j'étais d'abord sur la terre avant, j'étais en train de marcher. Bon, j'étais seule sous mon coin. Après, deux personnes ont atterri. Quand ils ont atterri, maintenant, je suis directement montée, j'étais suspendue. Mm-hmm. J'étais suspendue. Puis ils ont commencé à se battre. Mm-hmm. Un d'eux maintenant a levé la main. Mm-hmm. Puis une force est venue. Quand il a visé sur l'autre, quand l'autre a disparu, mm-hmm. c'est quand je suis tombée que j'ai levé la main pour dire bye. Mm-hmm. Bon, on va aller doucement, d'accord? J'ai fait exprès pour poser des questions ici parce que ce sont mes gens ici. Je vous ai dit que dans l'autre domaine, quand vous entrez dans l'autre domaine, le domaine spirituel, il y a des témoignages, vous lisez seulement dans la Bible, enfin, vous lisez dans les écrits où telle personne a eu telle chose, vous dites non, c'est sûr que c'est le montage. Voici quelqu'un de vivant devant vous. Je sens de vouloir toucher quelque chose par rapport à Satan n'est pas un ami. Donc, quand tu es venu donner la Bible à maman et tu es rentré, qu'est-ce qui s'est passé sur son corps? Qu'est-ce que tu as ressenti? Je n'ai rien ressenti. Et pourquoi tu t'es calé debout comme ça là? Tu voulais mourir? Et quand tu tombais et que tu faisais babaye là-bas, tu es sorti de ton corps. Toi, quand tu étais en haut là-bas, tu voyais les gens. Oui, je les voyais. Dis-nous exactement ce que tu as vu. J'ai vu deux personnes. Un, je crois que c'était Tonton Léo, mon grand frère. Oui. Et une autre personne. Qui n'était pas parmi eux, mais. Mm-hmm. Celui-là sortait d'où? Je ne sais pas. Mm-hmm. Bon, celui-là particulièrement, il était en train de faire quoi? Il voulait forcément à. Il voulait détruire mon. Il voulait détruire Léo. Mmh. Et qu'est-ce que. Léo, c'est ton grand frère. En même temps, Léo est en train de prier. Non, eux deux, ils étaient en train de se battre. Non, il dit. Bon. Dans la réalité, lui. Léo était en train de prier, puisque lui, il n'était pas en train de voir. Non, je comprends. C'est pour ça qu'il revient vers toi, parce que lui, il est dans deux réalités ici. Tout à fait. Voilà. Donc, son corps physique est inerte. Mais ce qu'il a de raconter ici, c'est lorsque son âme est sortie et qu'il était suspendu. D'accord? Un esprit vient pour prendre son âme. Le fait qu'ils ont déclenché la prière a bloqué non seulement l'être qui était censé amener son âme. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'il veut expliquer. L'être qui a enlevé son âme de son corps pour l'expatrier, la prière l'a bloqué dans les circonstances. Et c'est là le vrai problème. Dans l'atmosphère des prières qu'ils avaient, le Saint-Esprit avait quelqu'un qu'il a choisi comme le porteur d'onction. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc, quand vous renez ou renez, vous dites, on a des prions, intercédons. Il y a quelqu'un qui porte l'onction. Pas que vous tous n'avez pas l'onction, c'est quelqu'un qui est, s'il y a quelque chose à déclencher, il faut, parce que le domaine spirituel fonctionne avec les autorités. Quelqu'un à qui l'autorité est donnée. Et c'était son grand frère à qui l'autorité était donnée. Or, maintenant, son grand frère, s'il avait dit, si on pose la question, il va dire, non, moi, j'étais moi là, en train de prier. Nous prions. Nous avons l'habilité et la capacité de prier quand vous déclenchez. À un moment donné, le Saint-Esprit prend contrôle sans votre avis. Il n'y a pas plus grand chose à faire sur la terre comme la croire au Seigneur Jésus-Christ. Le fait que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est merveilleux. D'ailleurs, ne t'inquiète pas encore, ça ne doit plus t'arriver ici-là. Donc, le simple fait que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, ça fait en sorte que vous êtes dans des difficultés. Quand vous dites, Seigneur, tout le royaume a l'attention derrière toi. Ces choses, c'est les prémices de ce qui sont en train de vouloir arriver. Alors, on va expérimenter beaucoup de choses spirituelles. Cette fois-là, en étant conscient de ce qui est en train d'arriver. Parce que ici, la prochaine fois quand Léo sera ici, je vais lui poser aussi des questions. Maintenant, donc il y a un homme qui vient et il a une bagarre avec Léo. Il n'a pas touché ta maman. Il n'a pas touché les personnes. Cet homme-là, cette personne qui bagarre avec Léo était comment? Tu peux le décrire? Il avait un peu un visage bizarre et des habits. Il était habillé en noir-noir. En noir-noir. Donc, ça, c'est. On l'appelle qui? Non, c'est pas lui, il ne peut pas venir faire ça. C'est l'ange de la mort, c'est de lui dont c'est les questions. C'est de lui dont c'est les questions. Donc celui qui vient prendre l'âme pour la destinée. Normalement, quand c'est une mort destinée par le Seigneur, c'est pas lui qui doit venir. Parce que pour quelqu'un qui a l'espérance en Christ comme eux, c'est l'ange qui viendra les chercher. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que quand celui-ci prend, c'est pour aller mettre en prison. Maintenant, beaucoup de personnes sont comme ça que l'ange de la mort enlève leur âme, ils continuent comme ça à vivre. C'est une moto qui peut leur faire le problème. Pam, il meurt. On t'accuse que tu as tué alors que la personne est morte depuis. Oui. Alors, qu'est-ce que la vie donne de quelqu'un pour que vous voyez? Qu'est-ce que la vie de quelqu'un? Il allait prendre la Bible, la Sainte Bible, aller donner à sa maman. C'est mettre là-bas comme ça. Pop, il ne pouvait plus rien. Quelques secondes et puis ton souffle est enlevé. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, la miséricorde, vous voyez pourquoi la Bible déclare que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Comprenant ces choses-ci et comprenant que Satan n'est pas notre ami,
Imaginez un peu que vous dites, je m'avais péché un peu. Et que c'est à ce moment-là qu'il y a l'âge de mort avec. Il attend que ce péché-là lui donne le droit. Imaginez. Où est-ce qu'on sera? Satan n'est pas un ami. Alors dans ce garçon, si vous voyez, cette tête-là, il vient. Normalement, cette tête, c'est cette tête ce qu'il a suspendu là-bas. Il ne peut pas bouger parce qu'il n'a pas l'expérience du corps spirituel. Donc il ne peut pas marcher dans le domaine éthérique avec son corps. Parce qu'on l'a enlevé de façon surprise. Là, il dit qu'il est suspendu. Donc, de la position où il voit l'événement, tu les voyais comme si tu étais en haut et puis tu te les voyais en bas. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que pendant que tu les voyais, tu te voyais aussi? Non. Voilà. Vous voyez cela? Donc, il regardait son corps, il regardait là où il se trouve, même son corps, il ne voyait pas. Mais pourtant, lui, il voit à partir de l'extérieur. En de temps, ceux qui sont en train de prier le voient inert. Même lui, il est suspendu. Maintenant, qu'est-ce que cet homme-là faisait? Pourquoi il luttait seulement avec ton frère? Et pourquoi il n'a pas touché ton père ni ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le bagarre s'est passé? Comment? C'était, je ne sais pas comment expliquer, c'était d'un d'abord mon. Parce que mon grand-père m'avait toujours dit d'arrêter de jouer, d'arrêter de trop jouer. Oui, donc tu joues trop. Voilà. Maintenant, bon, c'était juste comme ça. Je lui avais raconté que. Bon, que la. Je sais pas comment dire ça. Bon, quand tu étais suspendu en haut là, quand tu voyais la personne qui luttait avec ton grand frère, comment la bagarre s'est passée? Il te donnait le coup de poing. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il bagarrait avec des puissances. Les météores. Donc, ce que vous voyez dans le film, oh, you get, tu connais oh, you get, tu connais le truc qu'on lance comme ça, le feu sort dans la main des gens. Bon, explique-nous comment ça s'est passé. La bagarre s'est passée comment? Parce que celui qui était noir, non, oui, a secoué. Bon, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il m'a enlevé de la terre. Oui. Il a secoué la terre. Oui. Bon, ça s'est fendu en deux. Un côté était de mon grand frère et un autre côté du noir. Oui. Et au milieu, il y avait. Il y avait le vide. Il y avait le vide. Oui. Attendons ici. Là, c'est la destinée du séjour des morts. Donc, ça veut dire que quand le gars est comme ça, bon. Mais normalement, je ne peux pas sauter, n'est pas divisé. Il y a le ciment là-bas. Frère, on a des choses qui sont au-delà de notre entendement. Donc, quand vous avez vu la terre s'ouvrir, ça veut dire qu'il vient comme ça prendre le garçon pour entrer là-bas et puis c'est terminé. C'est terminé. Son âme est au séjour des morts. Parce que lui, le cas que le séjour des morts est où? Est en bas, dans la terre. Mais toi, tu vois, tu étais où pour voir la terre? Tu ne vois pas votre maison, votre salon? Ils étaient juste à deux. Et on a, le type là a saccagé votre maison, ils ont coupé comme ça là. Il a fendu la terre, en deux parties. Un côté, lui, il était là-bas, et ton grand frère était là-bas. Et ton grand frère, il le regardait. Et combattait avec lui comment? Avec quoi? Je ne sais pas. Explique-moi, comment il a fait pour taper celui qui était en noir? Comment ton grand frère a fait pour le vaincre? Il a juste levé la main. Oui. Et une force lui est arrivée, puis il a visé sur l'autre. Il a visé, qu'est-ce qui est sorti de lui? Parce qu'il est de l'autre côté. C'était juste l'air. L'air est sorti. Il a visé. Bon, l'air l'a projeté, il a disparu. Le type a disparu. Et la terre est devenue comment? Et la terre s'est recollée. Et maintenant, entre-temps, quand tu as vu ça, quand ça s'est passé maintenant, comme le monsieur a disparu. Quand lui, il a disparu, quand moi, je suis retombé, oui, je n'ai plus vu personne. Oui. Maman était. Ta main était calée comme ça. Maman était tordue. Maman était tordue. Puis j'ai commencé à marcher comme ça avant que j'ai vu des. Quand j'ai soulevé la tête, oui, j'ai vu les éclairs qui. Qui passait. Il avait juste les éclairs. De toute façon, je crois que même à ses 17 ans, il pourra revenir sur ces événements-ci. Parce que là où il est là, c'est tellement. Vous voyez qu'il nous sort maintenant les histoires des éclairs. Donc il a des choses. Ce sont des choses que Dieu lui a demandé, lui a fait vivre parce que ça concerne son propre ministère à lui. Quand il va grandir au fur et à mesure, ce sont des choses qui vont rester en lui. Comme je vous ai dit qu'il y a deux ans, j'ai vu ma tante se coucher là. Et puis je l'ai vu debout. Avec certaines choses qu'il n'a pas encore parlé. Maintenant, ça veut dire que les éclairs passaient toujours dans votre maison là que vous connaissez là. Les éclairs passaient comment? Ça faisait comment? C'était juste en l'air, ça faisait des traces. Bon, ça se fendait en deux, puis ça se fendait. Bon, un autre s'est passé comme ça, s'est oui, calé. Oui. L'autre est venu comme ça, l'autre est venu, puis s'est calé. Donc les étoiles étaient comme ça, ça traçait. Oui. Or, sur la terre, ils sont en train de prier au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez que le nom de Jésus amène le ciel sur la terre. Les dominations du royaume terrestre sur la terre. Et ton frère, quand il a prié, la puissance est venue sur lui, il a envoyé l'air, ça l'a chassé. Comment ton frère était? Il était grand, il était comment? Même lui, il a disparu. Léo va nous dire où il est parti. D'accord. Et quand tu t'es réveillé maintenant, quand tu es sorti de ton corps, tu te sentais à l'aise. Tu n'avais pas mal nulle part. Non. Tu étais content. Bon, quand tu étais suspendu là-bas, tu voyais le monde était comment, la terre était comment? Comment était la. Je ne voyais personne que les deux là. C'est seulement les deux. Mm-hmm. Il y avait la grande terre qu'on connaît.
Que le Seigneur te bénisse. D'accord? Viens t'asseoir. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Maintenant, il fut un, dans un enseignement, on avait parlé de la mission impossible ou une mission dangereuse. Où je dis, sortir avec la Bible, allez prêcher sans le Saint-Esprit, vous attaquez la guerre. Bon, maintenant, voici un enfant qui voit son petit frère qui sent mal subitement et puis il va y mettre la main. Bam! C'est celui que ça prend. Maintenant, vous portez la Bible sans autorisation. Vous sortez, vous voyez quelqu'un. Tu commences à lui parler. Seulement, son regard peut te paralyser. S'il est un mystique. Voilà un exemple que parle pas au milieu de nous. Vous êtes fatigués, les frères? Ok. Voici la famille So. Personne en aucun moment n'a eu l'inspiration d'aller à l'hôpital. Parce qu'en réalité, non, en temps normal, voilà pourquoi certaines personnes meurent comme ça. Satan donne une mauvaise inspiration. Les gens courent à l'hôpital parce que la chose la plus normale, c'est qu'on parle à l'hôpital. Pourquoi pas essayer de ranimer l'enfant? Parce que les choses, c'est tout est scientifique maintenant. Il faut qu'on essaie de faire pour que notre cardiogramme puisse se faire tout fixe. En même temps, de l'autre côté, il y a un monsieur qui a pris son âme. L'électrocardiogramme scientifique peut faire que l'ange d'amour remet son corps. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas, frère? Alors, c'est ce qui est en train de dire ici, que Satan n'est pas un ami. Et quand j'ai parlé de l'apôtre Pierre tout à l'heure, on l'a inspiré à donner une pensée. Une inspiration au milieu d'eux. Une inspiration au milieu de la phase de Satan et tout est perdu. La chaîne de prières qui s'est organisée de façon spontanée a été faite et coordonnée depuis le ciel. De telle enceinte que personne n'a été eu là au milieu d'une mauvaise inspiration pour aller d'un autre côté. Parce que d'un autre côté, quelqu'un se rend et dit, on fait comme ça, l'autre dit, on fait comme ça, en même temps, le monsieur est parti avec l'enfant. Vous voyez? Autre chose, son grand frère en temps normal, c'est un étudiant. Mais le voici dans l'esprit en train d'être utilisé par le Seigneur. Ça, voici la partie la plus intéressante de cela. Vous lui dites, Léo, qu'est-ce que je faisais? J'étais de l'autre côté en train de prier. Aussi vrai que cet enfant s'y est couché, et que son corps est physique là, et que son vrai lui est à l'extérieur en train d'être amené. Aussi vrai, celui-ci aussi en train de prier. Pendant qu'il est en train de prier, son corps physique en train de prier, son vrai lui est à l'extérieur aussi en train de combattre. Aussi vrai. Voilà donc ce qui arrive lorsque vous priez vraiment la prière par le Saint-Esprit. Voilà ce qui arrive. Alors, lorsque nous engageons dans la prière, souvenez-vous que quand vous engagez dans la prière, vous pouvez être exposé sur le plan spirituel à intercéder, à combattre. Et donc, lorsque vous finissez de prier, à subir donc des peines sur votre corps physique et des persécutions sur le plan physique. Vous voyez? Voici donc ce que normalement toute famille chrétienne devrait faire. D'où justement la nécessité d'être dans la cohésion, dans la prière, dans la famille. Parce qu'à tout moment, n'importe quoi que vous arrivez à la maison. Parce que le fait que votre nom est invoqué, ou même encore le nom du Seigneur Jésus est invoqué dans votre maison devient la cible privilégiée de Lucifer. Encore grave, c'est que autour de lui se trouvent trois personnalités tout autour de la maison qui sont effectivement vouées à Satan pendant que eux, sa maison, c'est voué. Je ne sais même pas si c'est mieux qu'on ne donne même pas l'orientation comme ça, il part chez eux tranquillement. Donc, vous connaissez ça? Et, ok, bon, c'est bon. Donc, je peux parler de mes choses ici maintenant. Donc, moins de mois après notre arrivée, vous connaissez? En tout cas, donc ça dit que, comme ils ont fait des parts et d'autres dans des maisons différentes, ils ont décidé de tenter que, mais qui sont même ceux-ci? Cette fois-ci, ils vont me joindre à vous. On va les challenger. D'accord? Maintenant, voici donc, ils se trouvent donc assis au milieu des gens qui ont décidé maintenant de challenger leur Dieu. Mais c'est le Seigneur faisant. Parce que le Seigneur a pour but de montrer que vous avez un grand Dieu. C'est pour ça qu'il permet que ces renseignements, ces garçons, s'y voient cela. Si vous priez, vous voyez seulement un ange là, vous dites, un ange dit que je suis là. C'est que tu n'as plus prié. C'est que le soir, c'est que je vous sortais, l'ange, il dit oui. Et tu es où? Il dit, je suis là. Tu dis, ok, bon, reste là, je dors. Comme Dieu ne montre pas ça. Par conséquent, tu ne vois comme ça dans le visible, tu ne vois personne. Tu ne vois comme ça, tu ne vois personne. Tu dis, mon gars, si il ne prie pas, je suis mort. C'est comme ça. Alors, nous devons prier. Non seulement prier pour vous, prier pour votre famille, parce que Satan n'est pas un ami. À tout moment, il peut enlever. Si nous étions là, la grâce de Dieu, cet enfant serait mort. On ne serait pas en train de se réunir ici. Celui-là, le premier, serait mort depuis un mois. Avant qu'on devait chercher encore l'autre coq à sacrifier. Cette fois-ci, il dit bien cette fois-ci, les éclairs qu'ils ont vus, c'est le tonnerre qu'ils vont entendre là-bas. Alors maintenant, ici, il faut une prière orientée. Orientée, de telle sorte que les éclairs là vont là-bas. Que les personnes-là, s'ils sortent de leur corps, ils ne rentrent pas. S'ils sont dehors, ils n'entrent pas. S'ils sortent, ils n'entrent pas. Comme ça, ils vont déménager. D'accord, frère? Mm-hmm. Mais si vous voulez vous joignez à la prière, préparez vos arrières.
Parce que quand vous priez, vous intercédez, depuis le monde céleste, on sait que voici la personne qui a créé le problème. Vous connaissez l'histoire d'Élisée, n'est-ce pas? Avec les rois, le roi qui fait des combines pour aller attraper David et là-bas, le roi. Il dit non, n'allez pas à tel endroit. Puis on répète que c'est lui qui fait ces choses-là. Il voit tout ce qu'on fait là. Alors il faut qu'on parte le prendre comme cible. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ces choses-ci. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Premièrement, nous avons un grand Dieu et sauveur Jésus-Christ, dont le nom est puissant et il est un bouclier pour tous ceux qui l'invoquent. En tout cas, de toute façon, pour ceux qui l'invoquent avec sincérité. D'accord? Il est près de ceux qui l'invoquent. Même si, et c'est l'une de, et c'est l'un des enseignements derrière, même si vous ouvrez vos yeux, et je vous ai toujours dit cela, vous ne voyez pas la manifestation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manifestation. Parce que ce que le garçon a décrit, vous dites à ceux qui sont de voir, les scientifiques diront que non, c'est sûr que c'était l'illusion. L'enfant était dans une étoile illusoire. Il était plus réel que ceux qui voyaient dans le physique. Alors lorsque vous vous en défermez les yeux pour prier, vous ouvrez vos yeux pour prier. Souvenez-vous quand vous dites au nom de Jésus, vous avez déclenché quelque chose sur le plan spirituel. Que vous en soyez conscient ou pas. Donc si vous êtes dans des endroits où il y a des sorciers, vous commencez à dire au nom de Jésus, gardez bien votre vie en règle. Parce que vous allez dire au nom de Jésus, je vous challenge. S'ils viennent vers vous en esprit et ils voient que vous avez des ténèbres comme eux, ils vont demander à cette ténèbre qui te tient comment faire pour avoir accès à ta vie. Ils vont se renseigner. C'est là-bas, le renseignement, c'est pas là-bas, au plus puissant plus que les renseignements humains. Et donc, si ta part, c'est la pornographie, tu vas confirmer. Si ta part, c'est la masturbation, tu vas confirmer. Si c'est le mensonge, le vol, tu vas confirmer. Après, vous allez voir que ces choses vont s'accentuer. Justement parce qu'ils te travaillent pour pouvoir avoir les portes d'entrée et travailler dans ta vie. Le nom de Jésus-Christ est puissant, pas vrai frère? Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ces familles. Nous allons prier donc. Priez donc pour chacun de vous, pour votre famille, et que ceci soit un exemple pour vous. Que nous prions afin que chacune des choses qui se passent en nous, au travers de nous, dans nos foyers, dans nos maisons, que la première pensée soit d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Oh, oh, oh. Oh, oui, Jésus.